Monsieur Dedley, c'est vous qui a appelé Uber? C'est bien moi. Ça fait longtemps que je t'attendais. Je suis vraiment désolée, j'ai fait deux tours pourtant et je ne vous ai pas trouvé. Mais regardez, c'est pas grave, laissez-moi. Ouais. Pourtant, j'étais bien là pour mon Uber. Ah oui? C'est pas grave. Première fois au Canada? Ça paraît bizarre. Qu'est-ce qui paraît bizarre? C'est la première fois que je vois une femme faire ça. Ah, mais bienvenue au Canada. C'est comme ça ici, les femmes, les hommes, ils quittent tous. Wow. Pour mettre entre eux, c'est voisinage, vous séparez. Toutes bagailles, même si elles commencent, c'est contre les unions, vous séparez. Comment une aussi belle femme que vous fait du bien? C'est gentil, merci. En fait, je suis étudiante. Donc, pour payer l'université, vous savez, au Canada, ça coûte pas autant cher que dans d'autres pays, mais c'est quand même dispendieux quand on habite tout seul, tout ça. Faut avoir une job. Je vous félicite. Merci. Vous étudiez dans quoi? Je suis étudiante en psychologie. Drôle de coïncidence. Comment ça? Parce que je suis venue ici pour étudier dans la psychologie. Ah ouais? À quelle école? Université de Montréal. C'est excellent, c'est une très bonne école d'ailleurs, très réputée pour la psychologie. Moi aussi, je vais à l'Université de Montréal. Wow! Mais t'es canadien? Oui, donc je suis née ici, mais je suis d'origine péruvienne. Wow, j'aime le Pérou. Ah oui, vous êtes déjà allé? Non. Alors vous devez y aller, la nourriture, excellent. Vous savez, si jamais vous avez besoin de service de chauffeur, vous pouvez m'appeler. Oh, c'est vraiment gentil. Comme j'ai pas encore le numéro d'ici, je peux vous donner mon Instagram. C'est deadly07. Ah, un instant. Je vais vous donner mon téléphone. Vous allez pouvoir vous rajouter. Oh. Voilà. Deadly? Oui, deadly. D-E-D-L-E-Y 07. Excellent. Et voilà, téléphone. Merci. Now let's jump to the dance floor. One leg like this. Bounce it. Voici les nouvelles de dernière heure. Il y a un homme à masque qui fait terreur dans les arrondissements de Montréal, Laval, Repentigny. En moins que un mois, 4 victimes ont été reportées décédées par cet homme à masque. Et une rose a été retrouvée près de leur corps. Les victimes ont tous un point en commun, c'est qu'ils étaient dans une mauvaise relation d'abus et de violence. La grande question que tout le monde se pose, mais qui est-ce qui a caché derrière Massa? Est-ce que nous supposons que c'était à cause de la relation de Mekounia? Nous disons, restez branchés dans la radio, restez branchés dans la nouvelle, pour nous continuer à passer, nous avons bien informé. Et faites attention à qui est-ce qui a entrepris nos relations.
Méli, monsieur. Oh, regardez-lui. Mon téléphone, s'il vous plaît, mon s'il vous plaît. Mon téléphone, s'il vous plaît. Bon, mon ok, assouye, mon. S'il vous plaît, Fatih. Mon mine, tout le monde. Oui, s'il vous plaît. Où y a le bébé? Ouais. Est-ce que tu as vu une chèche dans le noir, s'il vous plaît? Je ne sais pas, je vais venir ici. Tu peux rentrer. Wow, ta maison est belle. Oh, merci beaucoup. T'es un homme de parole, je pensais pas que t'allais venir. C'est fou qu'on s'est rencontré à l'aéroport. Et maintenant, me voilà. Te je voilà. Ici, je sais pas. Tu peux t'asseoir. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Dans le fond, est-ce que t'as du vin? J'ai du vin rouge comme ça. C'est mon préféré. Excellent, excellent. Alors, Dudley, comment c'était ta journée? Bien, merci. Rien de spécial. Bon, j'espère que tu es prêt parce que à l'université, crois-moi, il y a un prof en particulier que il est difficile. Waouh. Il est vraiment difficile. Moi, je hâte vraiment de le rencontrer. Tu vas voir. Cheers. Cheers. Tu sais, en espagnol, on dit salud. Oh. Mais en créole, on dit santé comme le français. Comme en français, ouais, j'imagine. Puis dis-moi, la route, c'était comment? Ben. J'étais dans l'autobus, ça fait plus que 10 heures parce que je connais vraiment pas la route. Autobus? Oui, je prends l'autobus. Oh non, 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 non. Tu sais, moi, j'ai deux voitures. Je travaille avec une voiture avec Uber et l'autre, je travaille. C'est juste pour l'école, en fait. Donc, si jamais tu veux, je peux te passer ma voiture. T'es sûr? Ouais, ouais. Ben, tu as ton permis? Ben oui. Alors, avec, pourquoi pas? Avec le permis d'Haïti. On peut conduire jusqu'à 6 mois, je pense. Ah ouais, bon, tant mieux, tant mieux. Je t'ai pas demandé, mais tu comptes rester combien de temps? Ben, après mon étude, je pense que... Ma mère voulait vraiment que je reste ici, mais... Je suis en train de réfléchir, est-ce que je vais rester au Canada ou je vais retourner dans mon pays? Ça encore, c'est une décision que je n'ai pas encore prise, mais je pense que je dois vraiment réfléchir là-dessus. Ouais, ça serait bien peut-être de rester un peu de temps ici, non? T'habites tout seul? Oui, j'habite tout seul. Oh, wow. Ouais, ouais, il n'y a personne. Ça ne te fait pas peur? Non, c'est assez tranquille dans le coin. Pour le vrai, il n'y a aucun problème. J'ai jamais eu de soucis ici. Wow. Je vais te dire une chose. Tu es vraiment belle. Oh, merci. Tu es vraiment généreuse aussi. Merci. Tu sais, en fait, moi, je pense beaucoup à ça. En fait, je pense beaucoup à toi. Je pense beaucoup à toi. Oh, bon, merci. Mais de rien. Salut. Salut. Tu veux qu'on prenne une photo? Oui. Ok. Alors, oui. Qui est cette femme? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un piège? Le gars qui était venu pour étudier, en train de danser maintenant. Qui est cette Janzi? On dit souvent l'amour n'a pas de frontières. Mais là, je ne comprends rien.
quelqu'un qui ne voulait pas avoir une femme. Est-ce que Jean dit c'est bien son âme sœur? Je sais pas. Allô? Oui, j'attendais ton appel. Qu'est-ce qui s'est passé avec John? Écoute, il est arrivé, il a pas payé, puis c'est exactement la même chose qu'avec la première fois avec le premier client. Alors je sais pas qu'est-ce que tu dois faire, mais tu vas me trouver une solution maintenant. Je ne crois pas plus que toi. Je suis ton boss. Écoute, ça n'a rien à voir que tu sois mon boss, je comprends ça. Écoute, c'est mon meilleur client. Tu dois le respecter. Oui. Je comprends que c'est ton meilleur client. Mais est-ce que tu comprends, moi, que j'ai besoin de cet argent-là? Parfait, merci. C'est juste ça que j'avais besoin. Force continue, force continue. Écoute, j'ai juste besoin de l'argent, là, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, commissaire, je comprends. Mais écoutez, il paraissait extrêmement suspect. Il a vu notre patrouille, il commençait à avoir de la réticence, il se cachait. Avez-vous vérifié le dossier? Oui, je comprends. Écoutez, quand Aïcha est venue faire sa plainte, la description qu'elle nous a donnée, exactement c'est ce monsieur-là. En plus, pas oublié, il était montré nous une photo. Oui, je comprends qu'on est fâché, commissaire. Allô? 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 Bon sang. Il a raccroché. Il est fâché? Oui, il est fâché! Mon Dieu! Il était dit qu'on ça nous fait une faux arrestation. Oh! Mais, monsieur, elle était là, lui, où est-ce? La joue à quoi? Et puis carrément, comme il s'arrête, il dit nous font vie arrestation, nous fait sans mandat. Guimba, je ne peux pas comprendre. Vous savez, c'est qui c'est suspect numéro 1. Toute enquête nous mène des dossiers nous pour te balayer et puis tout est comme ça à l'agir. Après ça, la police pas fait travail. Garde tout effort nous fait et puis ça le fait. Et puis lui aussi raccroché dans la figure encore, oui. Il raccroché sur moi. Moi, inspectrice Lise. Vous pouvez imaginer? En tout cas, moi, je ne sais pas ça nous a fait. Nous, malgré tout effort nous fait. Ouais, monsieur, ouais, nous là, monsieur, pas qu'il place à col, même moi, dis mon pinaise piqué, bah ça pour nous faire là, non? Bon. En tout cas, Jean commissaire, monsieur, il va sous-estimer ta là, non? Parce que Jean la bat col là, monsieur, t'es négat, mas là, pas arrivé sous lui. Laisse ça, il va l'en relier, laisse ça, il va le baiser nous. Oh, agent, inspectrice, laisse ça, garde. Ma marche est un couteau, tu. Tu me perds. Franchement. Non, franchement. Bah, non, bah, comprendre rien. Même moi, bah. Tu sais, j'aurais jamais cru trouver l'amour aussi. Je me sens bien avec toi. Mais c'est pareil pour moi. Je me sens bien avec toi. Ouais. Ça paraît fou, mais des fois je me demande si je ne suis pas dans un piège. Dans un piège? Comment dans un piège? Parce que j'avais pris la décision de ne plus avec personne. Ok. Je crois pas en amour. Tu crois pas en l'amour? Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Jeanne, touche-moi pas. Touche-moi pas. Essaye de me comprendre. De comprendre quoi? C'est quoi qu'on fait? On perd notre temps alors? C'est quoi? Je comprends pas. C'est une longue histoire. Ben, explique-la-moi. Essaye de me comprendre. Je ne peux pas comprendre quelque chose dont tu ne parles pas. Rappelle-toi. La psychologie, c'est quoi? C'est la communication. Alors, tu devrais me parler. Comment ça se fait que tu ne crois pas à l'amour? C'est quoi? C'est quoi, toi et moi? Je sais, j'ai des sentiments pour toi.
J'ai beaucoup de sentiments et je t'aime beaucoup. Mais il faut m'écouter aussi. J'ai beaucoup de choses qui me font peur. D'accord. On peut en discuter, on peut en parler. Arrête de penser comme ça parce que je peux pas t'expliquer maintenant. Donne-moi quelques minutes. Ok. Crie-moi, continue à me crier, parle-moi mal. C'est correct. Je suis désolé. Mon amour, je suis vraiment désolé. Chérie, c'est un secret que j'ai sur le cœur. Je te promets. Un jour, tu le sauras. Tu me le promets? Promis, chérie. Tu me promets aussi que tu ne vas plus jamais me crier? Promis, juré. C'est bon. Je t'aime tellement, Jandy. Alors, si tu m'aimes, tu dois croire en l'amour. Parce que c'est vrai. Je suis désolé. Recherche, faut que tu ailles dans recherche avancée. Ok. Puis, d'ailleurs, t'as pas remarqué que le pauvre Robert, il est vraiment intense avec la manière comment on s'habille? Mon amour, je pense qu'il a raison. Mais on s'habille pas mal, de base. Chérie, on est des psychologues. L'habit vraiment fait pas le moine, mais le travail demande vraiment qu'on s'habille comme on soit appelé classique et chic, tu vois. Mm-hmm. Non, je comprends. D'ailleurs, parlant d'avis, j'avais oublié de t'offrir ton petit cadeau. Encore une surprise. Encore une surprise. Dans les yeux. Tu me gâtes tellement. Tadam! Oh, waouh! T'as bien complété ton avis. Waouh, mon amour. Merci. De rien. Il y a des fonctions pour l'écran bleu, alors c'est excellent. Oh, waouh! Comment tu me trouves? Ça te va super bien, je savais. C'est ton psychologue qui est là. Exactement, exactement. Merci mon ami. Ça fait plaisir. C'est vraiment gentil. Oh, ça fait plaisir. Il est déjà un peu tard, hein? T'as pas un rendez-vous? Non mon amour, ça va. T'as pas ta formation? Travail d'équipe? Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'intéresse pas vraiment. T'as parlé à l'équipe? Qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone comme ça, bébé? Ça va? Oui, oui. T'as parlé à l'équipe? Oui. Puis ils ont dit quoi? C'est correct, je peux rester, je peux prendre la journée. Je pense que Emily m'a écrit pour me dire qu'elle t'attendait à la réunion. Ok. En fait, je pense que je vais l'appeler. Non, tu devrais y aller. Tu devrais y aller. Profite-en. Tu penses, bébé? Mais oui. T'es venu ici pour quoi, dis-moi? Je sais, je suis venu ici pour travailler, pour étudier. Exactement. Alors, vas-y. Mais je suis en train d'étudier avec toi, fais les devoirs. Comme oui. Avec Emily, c'est la même chose. Oui, mais Emily va plus comprendre et j'ai des petites choses à faire aussi. En plus, je pense que si tu prends l'autobus, tu vas arriver en retard, donc tu peux prendre en voiture. T'as raison. Ouais. C'est pour ça que je t'aime. Je sais. T'es un ange. Oh, mon amour, j'ai besoin de l'audi parce que j'ai des choses à faire. Pour finaliser avec Emily aussi, je pense que je dois utiliser l'audi. Ok, il n'y a pas de problème. Mon amour, je t'aime, tu as un cœur. Tu me gâtes chaque jour. Hey, oui. Je sais pas quoi dire. On se voit demain? À demain. Oui. Qu'est-ce? Oublie le chargeur là qu'à mon zéro, même. Tiens. Faut mal retourner l'autre bord encore, mais. Il y a 3 heures de temps, man. Damn!
Olivier, la pizza arrive. Dans combien de temps? Mais babe, tu devrais le savoir, hein? Je ne suis pas ton babe. Ça fait 30 000 fois, je te le dis. Arrête ça. Mais pourquoi que je ne peux pas t'appeler babe? Parce que je ne suis pas ton babe. Puis donne-moi l'argent, live. Parce que j'ai d'autres choses à faire. Ok. Calme-toi. Wow. En plus, je te l'ai dit que je veux arrêter tout ça. C'est fini, là. C'est fini. Je te dois combien? Tu le sais, c'était combien. Il manque. Comment ça, il manque? Pourquoi tu fais ça? On avait déjà dit un prix. Il manque. Mais je il manque. Peine. Non, il manque. On avait donné un prix. Il manque 100 dollars. Donne-moi l'argent. J'ai pas juste ça à faire. C'était pas notre accord, hein? C'était notre accord. Et c'était le dernier aussi. Tiens. Alors, on fait quoi? Ben rien, faut attendre la pizza. Oui, mais justement, je vais aller chercher le chargeur. Inquiète-toi pas, il n'y a pas de souci. Je reviens. Ok, attends-moi ici. Pourquoi tu dois rester ici? Parce que j'ai des choses à faire, puis je suis en train de te préparer une surprise. C'est pour ça. Alors, attends-moi ici. Okay? Il passe quoi avec mon père? Il n'y a rien. C'est personne. C'est personne. Quoi? Écoute, on va parler. Viens. Explique-moi ça. Non, mais je vais t'expliquer. Viens, s'il vous plaît. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer encore? Écoute-moi, viens. Et on va parler dans le salon. Voilà pourquoi je t'avais dit, comme je ne croyais pas en amont. Je sais, mais viens, c'est important, s'il vous plaît. Oh my god. Il faut que tu me donnes une chance pour que je t'explique. Non. Thank you.